Après une halte par Castelblanc où les aventuriers retrouvent Théo et également finalement Eden qui ont pu s'échapper tous deux sains et saufs de la bataille de Couhan, les aventuriers reprennent leur route en direction des territoires des nains. Il leur reste un long chemin à parcourir car la quête qu'ils ont choisie n'était très certainement pas la plus proche. Donc vous voilà à bord du bateau qui va vous emmener vers votre destination. Vous êtes toujours en route pour aller chez les nains. Et donc vous allez vous diriger vers ce petit village qu'on voit ici sur la carte sur lequel je ping. Vous allez déplacer votre bateau. C'est à vous, il est à vous le bateau. Vous pouvez le déplacer, regardez. On a gagné un bateau. Ah oui, oh mon Dieu. C'est interactif. Ah, il faut mettre on passe pas sur la terre. De on va jusqu'à Couhan. C'est un bateau volant. On va jusqu'à Couhan, mon c'est gars. C'est un bateau Final Fantasy, oui. C'est le Hollandais. Et là, on effleure un arbre et on meurt instantanément dans un écran de game. À peu près toutes les heures, je prends quelqu'un, un matelot, quelqu'un de l'équipe, comme ça, je tire sur la manche, je fais « Et au fait, on va où ?» Déjà. Vous arrivez justement au bout d'un jour et demi de voyage à peu près à votre destination. Ce petit village qui n'est même pas indiqué sur la carte parce que c'est un village qui a été partiellement détruit. Vous arrivez au Moulin du Castel. Vous débarquez donc au Moulin du Castel. Alors vous savez ce que c'est, hein. Le Moulin du Castel, c'est un tout petit village en ruine sur les rives est de Castelblanc. Vous savez que c'est parfois utilisé par des bandits comme une espèce de point de passage ou comme des campements temporaires pour les gens qui veulent... disons éviter, qui veulent rejoindre les marécages en évitant Castelblanc et les barrages et les contrôles. Donc voilà, c'est plus un espèce comment de... Comment ils évitent Castelblanc et les barrages et les contrôles quand ils utilisent et emploient de manière bateau, enfin de manière avec des navires, le seul fleuve, le fleuve même qui passe sur les terres et à travers Castelblanc? Le but c'est qu'en fait c'est un point de passage parce qu'il y a un endroit peu profond par ici, c'est un point de passage pour traverser la rive et aller du côté des marécages. Et quand tu passes par les marécages, effectivement, tu évites Castelblanc. Simplement, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, vous débarquez... Ça répond à ma question, c'est propre. Vous débarquez ici, et c'est là, justement, où Vicky, alors Stallion, qui aborde toujours son air un peu bené, et Vicky s'approche de vous et vous dit... Elle regarde ses mains, elle fait... je crois qu'on va peut-être s'arrêter là, en fait. Elle essaye... Tu vois qu'elle essaye de faire un petit peu de magie. Rien qui sort. Ah. Je cache mes gemmes, j'ai pas envie qu'il y ait un voleur, là, qui me prenne les gemmes. On a combien de briques sur tes gemmes? Il n'y a plus de... Y a plus le wifi de Castelblanc. C'est à moi. C'est à moi. Donc, Vicky vous dit, ça tombe bien, on arrive juste ici. Je crois qu'on est sorti de la portée de la magie de Castelblanc. On est chez les nains? Je vous accompagnerai bien. Non, il vous reste encore, je dirais, 5 jours de marche pour aller jusqu'à... Et du coup, vous n'avez pas du tout prévu de gemmes pour justement ce cas de figure? Bah écoutez, on était censé rester à Fortigre à la base, donc non, on n'a pas prévu de gemme pour ça. D'accord. Mais bien, c'est bien de venir préparer, c'est toujours. On sait jamais ce qui va se passer, c'est vrai. Vous savez, c'est surtout pour des mages. C'est... voilà. Elle a accepté de nous accompagner jusque là, mais après il va y avoir un bateau qui va repartir dans la direction de Castelblanc. C'est pas parce que tu perds de temps immense pour eux. Non, c'est un service rendu. Parce que service rendu, on leur a rendu la magie à eux, donc oui, ils nous en doivent une. Mais après, c'est cool. Mais vous les prenez tous comme des connards, c'est « Merci, connard !» Tu nous as bien rendu service, hein. Alors, t'es bien, bien con, hein. Mais mage dans un monde où la magie a disparu, soit je quitte pas les alentours de la magie, soit je sors pas sans une gemme de secours, quoi. Mais après... Sauf quand c'est pour rendre service au gars qui t'a rendu la magie. Et bah, Vicky, je demande aux gens sur place de me prêter une gemme. Il y avait pas une gemme surtout, dans le Fortigre. J'en ai pas. Il y avait j'en rien. Je dirige un endroit où il y a des gemmes. Mesdemoiselles, s'il vous plaît. Vicky, donc, vous dit, écoutez, je vous proposerais bien de vous accompagner, mais je pense que loin de la magie, on servirait un petit peu à rien. On va même très proche. Certainement essayer. D'après les calculs, j'ai regardé la carte, il va vous falloir 5 jours pour aller jusqu'à Fort d'Acier, 5 jours pour revenir. On va vous attendre ici, peut-être pendant... On reviendra ici aux alentours de dans 2 semaines pour essayer de vous récupérer. Est-ce que ça vous va? Donc, vous êtes venu pour faire des calculs.
juste pour être sûr. Je me cache derrière le pilier. Les mecs, vous êtes les mecs les plus ingrats des PNJ. Non mais on n'a pas le, on peut pas parler en mentalement là. Ils nous entendent si jamais on parle. Ah moi je croyais que j'étais en mental, c'est pour ça. Sinon j'aurais jamais osé. C'est quoi, je vais fermer la connexion et je vais te forcer à dire ce que t'as à dire. Non, bah non, ça arrangerait. Parce que je disais, si Mani il a beaucoup de stock, avoir des alliés mages avec nous pour voilà pour nous aider. Et... ça peut... Pardon, on se connaît. Vous êtes Chine, c'est ça? Tant pis, d'accord. Alors, et le problème, c'est que la magie du vent n'est pas la plus offensive non plus. Quoique le grand Dayar avec sa magie d'évocation, quoique évocation, ça prend du temps, j'en profite, ça prend de la magie, ça prend Fred, des ressources. Pendant que les autres non. font des choses totalement inutiles, j'en profite pour voir aux alentours s'il n'y a pas un souci pour faire un peu la sentinelle, pour faire le boulot de Chine. Alors, je t'encourage à me faire un jet d'instinct, s'il te plaît, Mani, sur 6. S'il te plaît. Bon, vas-y, il va tomber du bateau et se noyer, c'est pas grave. Sur un D6 ? Un D6. Bah, ou viens m'aider, Shin, je couvre le flanc est. J'étais en train de descendre, là. C'est toi le premier, donc, Mani, qui a décidé de fouiller les alentours. Excuse-moi, Shin. Donc, ce que tu repères, Mani, c'est qu'effectivement, il y a dû avoir du passage ici, il n'y a pas très longtemps, parce que en fouillant un peu tout autour, tu as remarqué que les braises qui sont ici remontent à peine quelques jours. Donc, si c'est un point de passage, ce point de passage doit être encore utilisé assez récemment. Maintenant, il n'y a pas eu de passage réellement ici dans les deux ou trois derniers jours. Ça remonte à au-delà. Donc, okay. Du coup, Vicky vous dit au revoir et vous dit, écoute, on reviendra ici dans 2 semaines, on va aller attendre à Castelblanc. Et dans 2 semaines, on sera là. Ça marche ? Essayez d'avoir des gemmes sur vous. On sait jamais ce qui peut se passer dans 2 semaines. D'accord. On revient. Et des rations de nourriture. On va essayer de trouver quelques gemmes à Castelblanc. Vous partez donc en direction de Fort d'Acier. Avant d'arriver à Fort d'Acier, vous le savez, vous allez devoir vous arrêter à la ville de Torrent. Toi, Grunlek, tu connais la ville de Torrent, n'est-ce pas ? Ah, complètement. Complètement, c'est une ville où j'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup de souvenirs dans Torrent, voilà. Il y a 400 ambitions. Ah, il m'en a souvent parlé pendant qu'on était ailleurs. Est-ce que ça Alors, serait... Oui, vas-y. Pour rappel, la ville de Torrent, c'est donc une ville qui est à mi-chemin, donc qui est à la fin de la zone d'influence de Castelblanc et au début de la zone d'influence de Fort d'Acier. Donc c'est une ville qui est mixte, qui est énormément de nains, énormément d'humains. C'est la ville par là où transitent absolument toutes les marchandises en provenance de Fort d'Acier et qui se dirigent vers l'ouest du cratère. Donc. J'en déduis que si tu dis que c'est le mi-chemin, ce n'est pas le mi-chemin réel, c'est pas le mi-chemin à vol d'oiseau, c'est le mi-chemin à pied en fait, parce que les montagnes sont forcément moins praticables ou moins. Quand je dis à mi-chemin, c'est plutôt à mi-chemin, c'est la croisée des zones d'influence. De la croisée des zones d'influence, c'est-à-dire la zone d'influence de Castelblanc s'arrête ici et la zone d'influence des nains on est à la commence frontière, ici. Voilà, c'est pas... Grossièrement, c'est une zone qui est mixte, qui est gérée par les deux factions. C'est le Pertus, voilà, si vous connaissez, voilà. C'est pour les gens du c'est Sud. C'est un peu l'Ermitage aussi. Voilà. Vous faites donc la route sans trop d'encombre jusqu'aux abords de la ville de Torrent. Il vous faut 5 grosses journées, en gros, pour y arriver. Et à ce moment où vous commencez à approcher de Torrent, il ne vous reste plus que quelques heures, vous sentez que l'atmosphère se rafraîchit un petit peu. Il commence à y avoir des zones de neige un petit peu éparses. Vous sentez que vous êtes en train de rentrer donc, dans des collines, dans des montagnes. Donc vous commencez un petit peu à grelotter. Et sur le chemin devant vous, il y a un nain qui vous fait « Eh oh de l'aide, s'il vous plaît! J'ai besoin d'un peu d'aide !» Vous voyez qu'il est à côté d'une charrette. Je me méfie direct. Je me mets derrière un rocher, je me méfie direct. Vous voyez qu'il est à côté. Vous voyez que sa charrette a une roue cassée, en fait. Il a sa charrette. Oh, avoir réparé des trucs comme ça, c'est ma spécialité. C'est un piège. Mon Dieu, ce nain est gris, il est frigorifié, boule de feu. Non, j'ai compris. J'avoue, ça a l'air d'être un... Gollum, s'il te plaît. Ça a l'air d'être un nain zombie. J'adore ce que vous faites, monsieur Gollum. On va s'approcher. Bon, c'est quoi le souci ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je fais le tour, Fred, pour vérifier si c'est pas une embuscade, parce que je connais ce genre de personne, c'est très très louche. Ce genre de personne, oh le racisme !
enfin le nanisme. Tu vas c'est lui, ça, c'est lui. Donc pendant que les autres, donc, un petit jet d'instinct ou je sais pas quoi pour essayer de voir s'il y a pas quelque chose ou s'il y a pas une embrouille. Bah, écoutez, une embuscade. Si tu me, là, tu, c'est difficile de faire s'il y a une embuscade, tu la vois pas en tout cas. Voilà. Chine. Est-ce que je peux analyser le chariot pour voir si effectivement la roue est bel et bien pétée, il y a pas. S'il y a pas une bombe en dessous. Ouais, c'est ça. La roue, elle est pétée, c'est tout. Donc vous arrivez, vous vous approchez, qui fait ah, je vous remercie, merci de venir m'aider. C'est difficile, les gens ne s'arrêtent plus de nos jours pour aider les gens. J'ai mon chariot qui est abîmé. Est-ce que vous pourriez m'aider un petit peu à le déplacer pour essayer de réparer? On va voir qu'est-ce qui vous est arrivé. Qu'est-ce que vous faites là déjà? J'étais en train de me rendre vers la ville de. Torrent et mon chariot s'est cassé sur le chemin. Pendant ce temps-là, Mani. Donc tu fais le tour. Tu passes de ce côté là, c'est ça? Oui, c'est ça. Je fais ça pour voir derrière. Ça. D'accord. Alors tu me. Ça, fais... je m'approche pas à moins de 10 mètres de ces gens très très louches. Très bien. Je parle tu me de... fais s'il du te bleu, plaît, du rouge, jet... du vert. Tu me fais un jet d'instinct sur 10, s'il te plaît. Waouh. Ça sent l'arnaque, ça. Ouais. Vas-y, refais-nous un. Oh. Excuse-moi. Facile. Oh là là, c'est cool, ça passe. Ouais, ça passe. Ouais. Tu vois un lapin avec un couteau ça passe. Avec un manchaco. Tu remarques effectivement, il y a des traces de pas dans la neige par ici, des traces de pas toutes fraîches. Ok. Je. Est-ce qu'il a des grelots? Est-ce qu'il a? Ouais. J'utilise la technique. Je suis en focus, donc j'ai pas besoin d'utiliser de la psy pour faire des trucs quasiment mineurs avec la télékinésie. Je fais un tout petit peu bouger le bout des flèches en fait qui sont. De... Ah non, mais il a pas de flèches. Le bout de l'arc de Chine, je le fais un tout petit peu bouger pour qu'il regarde vers mon côté, en fait. Juste pour attirer son attention, sans l'interpeller. Alors, tant bien même, sans l'interpeller, c'est pas pour dire, mais il est quand même à grande distance par rapport à ta distance de télékinésie. Donc, surtout, est-ce qu'il va se rendre compte que c'est toi qui fais bouger ces grelots, là, donc, oui. C'est pour ainsi dire. Très bien. Voilà, ça, c'est dit. Qu'est-ce que c'est que cette conversation? Non, je fais un tout petit peu, j'attire l'attention de Chine sans l'interpeller. J'essaie de malaxer les boules de Chine se retourne vers moi. Et je lui fais un signe avec la main pour l'indiquer. Alors, je vais j'ai une question. Oui. Oui. J'aimerais voir en regardant la charrette si c'est cassé véritablement ou si ça a été démonté pour faire croire que c'est cassé. Tu me fais s'il te plaît un jet d'instinct. Je crois que tu as un bonus en artisanat ou quelque chose. Oui, en artisanat, oui. Absolument. Donc tu vas me faire un jet d'instinct sur 10, mais je t'accorde un bonus de 1 en raison de ton bonus d'armes. Technologie, tu as un bonus de 2, donc ça te fait 6. Bonus de 2 ou bonus de 1 du coup? Tu as un bonus de technologie, tu as 15%, donc c'est toujours arrondi au supérieur. Oui, mais pas chez moi, donc c'est sans un bonus de 1. Ça serait un bonus de 1. Allez, vas-y. 3. Voilà. Donc t'aurais fait un 10, mais cette roue n'est pas cassée, ce chariot. Effectivement, Grunleck, tu te rends compte que la roue n'est pas cassée, elle a juste été grossièrement démontée, on a cassé des rayons de la roue. Je recule et je mets la main devant mes compagnons. Et à quoi tu joues? Je vois que vous êtes plus malin que je croyais. Donc tu vois qu'il siffle, il met sa main à la bouche, il produit un sifflement très fort. Et des quatre coins autour de vous, il y a des gens que vous n'aviez pas vus qui sont en train de sortir un petit peu partout, qui étaient cachés dans les fourrés. Donc vous repérez, il y a des archers, il y a des humains, il y a des nains. Hop, je les fais apparaître un par un. Il doit y en avoir peut-être 6 ou 7, un truc comme ça. Ah, carrément. Donc, et il vous dit, ça peut très bien se passer. Écoutez juste, laissez-nous votre or, posez vos armes, et on va vous laisser partir. Vous êtes encerclés de toute façon. Des ninjas des neiges, effectivement, ça peut très bien se passer. Rassemblez-vous, je veux faire une photo. Je passe en défensif avec le bouclier. Très bien, donc tu passes en défensif. Il vous le redit. Écoutez, il a une petite hache à la main. Ça peut très bien se passer. On n'est pas des meurtriers, on est juste des voleurs. Déposez votre or et ça va bien se passer. Ah bah du coup, je suis de leur côté. Que vous attendiez à ma vie, ça passe. Que vous vouliez prendre mon or, non, pas du tout. Ok, mais du coup, vu que tu avais repéré l'embuscade quelques secondes avant, t'as pas vraiment repéré l'embuscade en fait. Tu as repéré les traces de pas qui pourraient indiquer qu'il y aurait eu une embuscade. Ce qui fait que. J'ai pu anticiper plus ou moins avec méfiance. Pour symboliser ça, ce que je vais faire, c'est que je vais t'accorder un tour préemptif pour toi, du coup, d'accord. Avant de faire Avant le tour général, donc j'aurai droit à deux actions. Avant le tour général, oui, donc tu aurais droit à deux actions, effectivement. D'accord, très donc, bien. Donc, pendant ce temps, on va commencer, du coup, on va faire ça dans l'ordre. Donc, vous avez le nain devant vous qui vous dit. Donnez-moi votre or, posez vos armes, allez-vous-en. Tout peut bien se passer.
Habituellement, on a plus l'habitude de piller les marchandises qui viennent. Faut lui proposer l'inverse. Faut lui proposer de laisser son or si on veut pas, s'il veut pas avoir des problèmes. Ça, c'est une bonne idée. Oui. Mani, est-ce que tu veux faire quelque chose du coup? Oui. Donc, en progressant par là, en fait, donc je vois ici qu'il y a une archère ou équivalent, quelqu'un qui a osé attenter à la vie de ce qui pourrait s'apparenter de loin comme étant mes amis. Donc du coup, j'utilise un point de psy juste pour claquer, tu vois, le fil qui m'en est, ou la flèche, juste pour qu'elle se dévie. Tu sais, un peu comme quand tu as une maladresse comme ça et que la flèche elle se dévie, juste pour tomber. Tu sais. Donc tu veux faire tomber, il va falloir que tu te rapproches. Donc tu vas me faire un geste de finesse pour essayer de te rapprocher parce que tu es un peu loin. Là, tu as quand même une dizaine de mètres. Finesse ou physique? Finesse, parce que là tu vas essayer de te rapprocher sans te faire repérer. Et ensuite tu feras ton jet de mental, du coup, pour essayer de faire ça. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était deux, mais en fait j'étais sur la fiche d'une. Choc. 5, ça passe tout juste. Donc, tu réussis à te rapprocher à peu près au niveau de l'arbre. J'ai discrétion. Oui, j'ai discrétion, donc je réussis en fait. Donc oui, c'est ça, tu réussis. La nana qui est là ne t'a pas repéré. Maintenant, si tu veux faire tomber donc la flèche qu'elle a encochée Juste je la dévie, quoi, le petit bout de métal. Hop. De manière à ce que cette personne rate son tir quand elle tirera. Ah bah c'est pas qu'elle va rater son tir, Fred, c'est que quand elle va tirer, ça fait n'importe quoi, ça fait comme un gamin de 4 ans, il essaie de tirer à l'arc. Très bien, et que la flèche elle part pas parce qu'il est débile. Un jeu de mental, s'il te plaît, maintenant. Allez, 75 sur 60. 5 sur 5, 64 sur 75. Voilà. Oh là là, juste, effectivement, la dame qui est là, donc qui est une archère. Il fallait avoir 10 pour aller dans la classe supérieure, tu fais 10. Flèche se dévie très légèrement, elle ne l'a même pas remarqué au moment où elle va tirer. Moi non plus, j'ai pas remarqué que j'ai réussi. Hein. Au moment où elle va tirer, il y a des chances que sa flèche fasse un peu. Qu'elle tombe juste lamentablement au sol. Elle a pas décoché, elle a pas tiré pour l'instant. Elle a pas tiré pour l'instant. Maintenant, du coup, le tour de table classique. Dans la mesure où vous êtes pris en embuscade, par contre, si jamais un combat se déclenche, ça sera à moi de faire tous mes tours avant que vous puissiez jouer. Le truc, c'est qu'on est prévenu. On l'a repéré. Ils ont perdu la on l'aurait pas repéré. Ils ont l'aspect de la préparation, mais ils ont pas la surprise de la surprise. Oui. Et bon, alors dans ce cas-là, t'as entièrement raison, Fred. C'est juste tout que normalement les actions se jouent au dé. Je tiens à dire quelque chose. Surtout que là, ils nous demandent de donner l'or, donc ils sont pas en train d'attaquer. Donc potentiellement, c'est notre réaction à nous qui va être la première. Si vous attaquez, oui. Donc justement, quelle est votre réaction? Est-ce que vous choisissez d'attaquer? Est-ce que je peux tenter un truc? Je voulais tenter un truc, mais... Moi, j'utilise ma deuxième action. Si on fait un tour de table dans l'ordre normal, c'est pour ça, ouais. Je fais pareil sur celui qui tient un arbalète. Normalement, tu as une petite sorte de sécurité, un petit loquet pour éviter que la flèche parte toute seule. Oui, mais tu as encore une fois, le monsieur à l'arbalète est encore plus loin. Tu vas devoir te rapprocher davantage. Bah, j'utilise un point de psy supplémentaire. Ça suffit pas, tu vas quand même me devoir faire un autre jet de finesse de nouveau sur 10 ce coup-ci. Arrête. Est-ce que tant qu'on est dans un cours diplomatique où personne ne réagit et personne ne se bat, je peux tenter moi de discuter. Tu peux tenter de discuter, on va faire les deux actions en même temps. D'abord Mani. Très bien. Un autre jet de finesse ce coup-ci sur 10. Sur 10, 7, attends, 5, 10. 6, sur 10. je fais 7 pour 6. 7 pour 6. Tu t'es fait griller, effectivement. Au moment où tu t'approches, tu essayes de faire deux pas de plus pour t'approcher, pour être suffisamment à portée. Le miel pop. Tu lèves les mains comme ça. Pour être suffisamment à portée, donc, de l'archer qui est là. Et juste à ce moment-là, tu as l'archer qui est juste ici. Alors, Bob, du coup, ça annule l'action que tu voulais faire. Je suis navré, parce que donc, tout ça se passe en même temps. Juste à ce moment-là, l'archer se retourne, décoche sur sa flèche, qui tombe au sol. Du coup, il ne se passe rien. Mais par contre, ça a attiré l'attention de l'autre garde qui est ici, qui lui fait « Hey !» Et donc, à ce moment-là, dès qu'on entend ça, moi, je charge. Ouais. Très bien. Donc, moi, je regarde l'archère et je fais « Ouais, je connais ces jours-là. Ces jours, on ne bande pas correctement son arc. » Et encore une fois, la diplomatie meurt devant les actions. Le combat se déclenche du coup. C'est parti. Vous avez donc deux personnes parmi vous qui peuvent agir. Et ensuite, c'est aux autres. Alors pas moi parce que j'étais en train de faire un truc comme je dis, j'ai entendu le bruit, je charge.
Moi, je veux plonger sur le nain en question et le prendre en otage. Deux trucs. Chine et Grand Lake. Si ce que je vous propose, que moi je suis en focus, c'est soit Grand Lake et moi on agit et moi ça me permet d'être en défensif, soit Chine t'attaque celui qui est là, il a une arbalète, du coup il peut me tirer dessus, tu t'occupes de lui. Comme ça, Grand Lake, lui, s'occupe de celui qui est en face. C'est mieux, Chine, ouais, parce qu'on va être tous les deux sur lui. Ça va être, d'accord. J'agis avant toi en plus. Otage, et j'ai dit... Moi, je te fais confiance, c'est pas une mauvaise idée, hein, mais tu es le seul à qui je fais confiance dans l'équipe. C'est juste que là, partant du postulat manique, tu as déjà agi deux fois. Je pense pas que tu puisses faire partie du tour de préemptivité. Mais comme ça, moi, je suis en focus, du coup, je ne pourrais pas esquiver, mais je compte sur toi pour que tu flèches celui qui est en face. C'est vrai que tu as agi deux fois, là, donc logiquement, il y a peut-être le tour des autres avant. Donc, du coup, je pourrais pas. Sinon, tu deviens Aldo, là, et là, c'est craqué. Qui agit? Ah, Chine et Grand Lake. Je saute sur le nain fantôme. Tu changes pas d'avis au dernier moment, Chine. Hein. Tu me fais ton jet de physique. Ok, c'est parti. Hop. Ça change le nain en face. 85. Alors attends, je sais pas si ça passe, je vais te dire ça. 85 pour 65 faire et 20, 85. Ça passe juste. 85 pour 85. Je suis en défensive, j'essaye d'esquiver du coup. Et ça passe pas de 1 à 2. Ah, tu n'as pas la technique du score de justesse. Tu essayes de faire pareil que les grands, ça donc, ne marche tu pas. Plaques la réussite de pitié, on appelle ça. Tu plaques le nez au sol, c'est ton action. Tu as plaqué le nez au sol, donc tu ne lui as pas infligé un coup. Ensuite, le suivant. Mais pourquoi ? Je me suis lancé en lui mettant une patate. Ah, j'ai fait un Superman punch. Tu veux lui faire mal ou je pensais que tu voulais le prendre en otage uniquement. C'est Pugila, c'est la compétence Pugila. Non, c'était que Pugila, moi je le défends. Et au pire, Fred, c'est tant bien même ça touche ou quoi que ce soit, l'autre au moins il a le souffle à minimum coupé. Tu te prends pas un nain de 150 kg. Dans ce cas-là, tu me fais tes dégâts. C'est parti. 5. 5 points de dégâts, très bien. Ce punch de courtoisie. Ensuite, Chine, c'est à toi. Du coup, moi j'hésite parce qu'il y a l'autre aussi, Archie. Non! Non! Mais si! Mais elle, elle a fait son sac! Tu peux pas la voir en plus, elle est protégée par le. Elle est à couvert, elle est derrière toute une série de rochers. Si tu veux la toucher, tu auras 20 points de malus. Techniquement, Chine, tu peux toucher ce nain. Non, mais je pensais, le gars à l'arbalète. Après, d'un point de vue purement RP, oubliez pas qu'on n'est pas en contact mental et que t'es pas censé savoir. Voilà. Bien sûr. Mais oui, mais là, c'est vis-à-vis de la logique que l'univers nous décrit. Il a deux points d'accès et de tir. Celle-ci, il l'a pas encore vu ou analysé que sa présence était faite. Moi, j'ai pu parce que je me tournais, j'étais en train de tirer. Il y a un petit cri de fillette qui est derrière le rocher et tu reconnais celui de Manny. Donc du coup, et oubliez pas Eden qui fera probablement le tour. Oubliez pas Eden qui fera le tour pour probablement l'archer. Parce que là, Delrocher et choper l'autre au pire. Oui. Mais allez, on va choper l'archer pour faire plaisir à Mani. L'archer, non, le nain. Mais t'es sûr ? Allez, je veux une décision. Tu tires sur le nain. L'archer, elle a déjà foiré son attaque parce que. Oui, non, mais tu peux pas tirer sur le nain. Je suis au corps à corps avec. Non, l'autre nain. Ah, le nain derrière. Ah oui, tu m'as fait peur. Il y a un arbalète sur le nain. L'autre archer a fait ton jet de dégâts. C'est parti. 51, ça passe. Donc 51, tu tires en fait en direction donc du nain qui. Ça passe avec les 20 de malus. Oui. Ouais, je suis en focus. Donc. Donc ça passe. Alors j'essaye quand même, le nain essaye de se mettre à couvert. Donc c'est une flèche. Donc je mets quand même un peu de malus parce qu'une flèche, c'est pas, tu l'esquives pas comme un coup d'épée. Et il réussit à se cacher. Il réussit à se cacher derrière le rocher. Il était déjà bien à couvert, donc il réussit à se mettre lui-même à couvert. Du coup, c'est à moi d'agir. Alors, on va commencer par celui-là et celui-là. Alors, donc les deux archers qui sont en haut. J'ai Bob, juste Jenna, une question. J'ai juste une question. Il s'est mis à couvert. Est-ce que ça le supprime ? Enfin, que ça le suppresse ? Du coup, il ne peut pas viser avec son arbalète. Il ne peut pas viser avec son arbalète au prochain tour, effectivement. Merci. Le premier donc réussit à décocher une flèche dans ta direction, Bob. Est-ce que tu es en défensif ? Alors non, je suis en focus, mais je peux la bouffer. Il faut juste qu'il réussisse son tir. C'est celui-là qui tire. Il a réussi, et le deuxième tire et touche aussi en direction de Chine. Oh. Donc Chine, je fais mes jets de dégâts. Donc pour vous deux, ils font 1d6 de dégâts. Le premier, non. 11 dégâts. Il a fait. Alors un le premier sur Bob. Ah, les masques il tombent. A fait un on voit les stratégies du MJ. 2 sur Bob et 3 sur Shin. Le premier inflige 2 de dégâts. Sachant que j'ai
un point d'armure, est-ce que ça compte ? Oui, ça compte. Et Shin doit avoir deux points d'armure, c'est ça, Shin ? J'ai deux points d'armure, ouais. Vous prenez un de dégâts chacun. Vous prenez tous les deux un point de dégâts. Des flèches donc passent à juste à côté, ça frôle vos armures, ça vous fait une petite, toute petite gerbée de sang, mais suffisamment pour vous faire mal quand même. C'est ensuite autour du nain qui est à ton contact, Grunlek, qui essaye de t'infliger un coup, ça passe. Est-ce que tu es en défensif ? Oui, je suis en défensif, je vais tenter l'esquive. Donc tu fais l'esquive. 35, ça passe. Tu essaies d'esquiver, il est au sol, il est plaqué, mais il essaie de te mettre un coup que tu esquives au dernier moment. Et ensuite, il y a... Il a pas les bras assez longs. il y a celui qui est là, donc dont la flèche est tombée, l'archère, qui sort une épée, qui se dirige, qui fonce dans ta direction, Mani. Elle essaye donc de te sauter dessus, de t'infliger un coup. Est-ce elle n'a pas la défensif distance suffisante Elle a tiré. Elle peut faire une charge. Elle peut faire une charge et un slash. Ouais. Elle a déjà tiré, mais par contre, je lui mets un malus. Je vais lui mettre un malus parce qu'elle est loin. Elle n'a pas tiré. Elle s'est tirée. Non, c'est l'autre. Hein c'est... Non, elle a tiré déjà. Et c'était son tour précédent. C'était l'action. C'était le merdier. Là, le tour officiel fait que son tour décide où elle lâche son arc et sort une épée pour taper dessus. De toute façon, elle rate. C'est pas grave. De toute façon, elle rate. Elle a essayé de charger. Elle a jeté son arc. Elle a essayé de charger dans sa direction. Elle a sorti un violent coup d'une épée courte. Elle a essayé de te mettre un petit coup avec une épée courte. Si on avait été dans un film Disney, ton personnage Mani aurait esquivé de manière stylée, genre wow. Elle a complètement raté. Et non, là, au j'ai même juste moment, pas esquivé. Au même moment, vous voyez la personne qui est juste ici, qui disparaît sur les rochers. Sous les rochers, elle s'est fait visiblement attraper par autre chose, la personne qui est là. Donc, Eden, que ce token ne serve pas à rien, s'il vous plaît. Non, c'est pas Eden. Eden, pendant ce temps-là, elle est alors, encore trop loin. Et de toute façon, Eden, elle est partie de l'autre côté. Oui. Non. Ce personnage, là, en haut à gauche Le personnage qui est ici, non, là. En bas à droite, ouais. Je mets une croix dessus. Tu l'as vu disparaître de derrière les rochers. Visiblement, elle s'est faite attraper par quelqu'un. Et tu entends des bruits de combat de ce côté-là aussi, comme s'il y avait d'autres personnes qui se battaient. D'accord, des humains, c'est pas animal, quoi. C'est pas animal, ce sont des humains, effectivement. D'accord. Enfin, humanoïde. Très bien. Humanoïde. C'est à vous. Ok. Bob, t'as un truc en tête, là Alors, C'est pas que c'est à vous, c'est que c'est à moi et uniquement à moi parce que le tour n'est pas terminé et j'agis en dernier. Oui. Ah et les enfants, s'il vous plaît, parce que je veux bien servir de cible aux pigeons, mais à un moment j'ai bien le droit d'agir quand même. Ah, vas-y, c'est à toi, Bob. C'est pour ça. Donc classique, trait de feu dans sa tronche en la regardant en faisant putain, cette robe était neuve. Et je vais tirer dessus et je vais passer en offensif. Tu concentres ton sort pour essayer de tirer un trait de flamme dans la direction de l'archère qui est ici, qui est elle aussi, cela dit, à couvert derrière des rochers. Hein. Donc je vais te mettre un malus de 10. Alors, je propose pas un malus à mon tir, un bonus à son esquive. Alors c'est plus logique. Non, je vais te mettre un malus à ton tir. Ok, bah. Tout pareil. D'accord. C'est juste parce que si elle doit esquiver derrière, tu sais, en se mettant à couvert, c'est plus logique de pas. Un des 100, allons-y. 64, et c'était un malus de combien? 10. 10. Ouais, ça passe. Et ben ça passe là. Donc cette robe était neuve. Ça passe, donc tu lui balances un petit trait de flamme dans la gueule. En offensif, donc dans le petit, le mot c'est grosse bite en fait. Donc c'est, coup, tu fais, ça te fait combien de dégâts? Ça te fait 10, c'est ça? Normalement c'est les flammes, c'est 1d6 de dégâts plus 1d6 par ordre de maintien, mais quand je fais l'enfer sur terre. Pour les traits de flammes, on n'a jamais réellement compté c'était les dégâts, c'est toujours situationnel. En l'occurrence, donc est-ce qu'elle a de l'armure? Est-ce qu'elle se l'est pris dans la tête? Est-ce qu'elle brûle? C'est quand même une boule de feu dans la tête. Elle s'effondre au sol et tu l'entends crier derrière le rocher. Donc il y a des combats à peu près tout autour de vous. Il y a donc la femme qui vient de se prendre une traite de feu en plein dans la tête et qui est en train de s'effondrer, tandis que donc des flèches volent dans toutes les directions. Alors, Grunlek, tu voulais crier quelque chose pendant le combat. Oui, parce que là, quand même, ils essayent de voler des gens sur le chemin, se prendre des boules de feu, un gars qui lui saute dessus avec un bras métallique, peut-être que ça peut quand même un petit peu les décontenancer. Donc je vais leur crier un truc du type « On arrête là ou on continue ?» Tout ça se passe c'est le chaos, hein. Tout ça se passe très vite. Il faut rappeler que toute la première action, tout s'est passé en moins de 20 secondes. Donc, quand bien même tu crierais, entre ceux qui sont en train de hurler, ceux qui sont en train de brûler. Mais je le crie au nain qui est juste devant moi. Il dit non, stop, arrêtez. Voilà quoi.
Grandlec, au prix d'un dé d'aventure, est-ce que tu pourrais pas tenter un test d'aura vu que t'es au corps à corps et que tu lui as quand même infligé 5 points de dégâts au prix d'un dé d'aventure, histoire de le décontenancer avec un test d'aura ou de social, tu vois, de en imposer, ah, quoi. C'est comme un nain qui lui rentrait dans l'air. Tu peux éventuellement faire un test de social, oui. Pour lui. Ok. Bah, alors, en sachant par contre que ce nain a vu le trait de feu partir, mais il n'a pas vu la victime. Pour qu'ils comprennent quand même. Ouais, mais non, mais ils sont en train d'essayer de dévaliser des gens sur la route et ils se prennent des mages, des machins comme ça. Par ailleurs, oui, 45, t'es à 60 Grunlake, 45 en social plus perception humaine. Hein, t'es à 60. J'entends, mais l'argument que j'en fais, Grun, c'est qu'ils ne sont pas encore conscients de leur perte. Ouais. Que dire, ça n'a pas encore le temps de s'imprimer dans leur tête. Ouais, mais le gars, il voit une boule de feu devant lui. Il a peut-être une réaction. Il ne sait pas si son compagnon est mort. Oui, ça c'est sûr. C'est le début, mais quand il va entendre que ses deux compagnons sont morts, il va peut-être se mettre à réfléchir. Mani, donc tu as par ailleurs une vision sur les combats maintenant par rapport à là où tu es. Tu vois qu'il y a deux nains qui sont en train de se battre avec l'archer qui était juste ici. Ah, on peut pas leur faire confiance non plus. Mais si, on peut parce qu'ils ont des noms de PNJ, donc ils sont importants. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu leur tires dessus ou pas? Tu me fais si ton jeu. Grunlec, si vous êtes d'accord. Hurler, si tu veux essayer de convaincre la personne, donc le nain, qui est très certainement peut-être le chef, il faut que tu me fasses un jet de social. Ok, on essaye. Donc vous voulez que j'utilise 60. Un dé d'aventure ou pas? Moi, oui, fonce, t'as toutes les planètes qui sont alignées pour toi. On en a 2 sur 2, donc 2 sur 2. Allez, vas-y, c'est parti. Attention. 93, c'est pas un échec critique. C'est pas un échec critique. Continue à te battre, n'abandonne pas. Il a un bonus de 10, comme tous ses amis, ils se sont inspirés. Déplacement, ouais. Ton jet fait un changement de posture. Donc en fait, tu passes en offensif pendant que tu le frappes. C'est quoi? Oui, ça, je perds ma posture. Tu rates complètement. Ou tu peux annuler sa posture, Grandlake. Tu peux annuler sa posture. Tu peux le décontenancer là-dessus. Ah oui, non, c'est moi. C'est toi qui as utilisé un dé d'aventure. C'est positif. C'est pour ça que je disais par humour, c'est tu passes du mode défensif au mode offensif en disant « Vous allez arrêter de vous battre, oui !» Sa posture, lui retirer sa posture défensive. Ouais. On va faire ça au moins. À partir de maintenant, je ne pourrai plus esquiver au prochain tour, effectivement. Tu peux l'attacher avec des menottes en cuir. Tu as complètement raté le danger de social. Tu as fait 93, donc tu as juste bafouillé. Arrêtez de vous battre. Arrêtez maintenant. Ça suffit. Nouveau tour, du coup, deux personnes peuvent agir avant les autres. C'est parti, lesquelles choisissez-vous? Bah, moi j'aimerais bien me venger, nettoyer la zone, donc si je peux foutre un petit carreau, une petite flèche dans la gueule de ce petit nain. Je suis au corps à corps, donc ça se continuera quand ça va se continuer, donc plutôt moi après. Moi c'est pas important tout de suite. Donc, Shin, tu agis en premier, Mani ou Bob? Bob, comme vous voulez. Shin et Bob? Non, je refuse d'agir en premier parce que mon personnage vient de balancer une boule de feu et il est assez lent dans une situation d'embuscade. Je suis pas un ninja. Shin va être bien occupé. Shin et Mani. Allez, on va commencer par Mani. C'est parti. Je me mets en posture défensive et je me casse du corps à corps. Je vais sur le rocher en fait. Je fais donc tu essayes de sauter. Donc tu me fais un petit jet de finesse pour essayer de réussir ton saut sur 6. Facile. Mm-hmm. Pas d'échec critique. Ok. Hop, voilà, réussi. C'est réussi, donc tu sautes, tu déplaces ton token juste ici, tu te mets hors de portée donc de l'épée courte de la dame. Et quelque chose? Une action derrière? Ou c'était ton action? Est-ce que ça peut être un truc stylé à la Disney où tu sais, elle sort son épée, elle remet un coup et tout, hop, tu sautes sur je la lame me mets et tu ici sautes dans sur le caillou. Dans le creux, je me cache en dehors de la portée de cette femme particulièrement agressive. Tu es maintenant hors de portée donc des attaques de la personne devant toi. Shin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux me mettre accroupi? Ça compte pas comme une action, mais c'est un peu stylé, tu vois, pour ça tirer. Ça compte pas comme une action, effectivement. Tu peux te mettre accroupi. Non, mais comme ça, le nain, il va galérer, tu vois. Je serai encore. Est-ce que je peux faire du breakdance? Ça compte comme une action. C'est classe, tout ça. Mais avant la de personne tirer. Qui est ici, je te le rappelle, est suppresse, donc elle ne peut pas agir ce tour-ci. Oui, mais Shin, si tu veux te planquer, planque-toi derrière la charrette, simplement. Ouais, mais j'aime maximiser les chances. Est-ce que tu veux tirer sur quelqu'un, Shin? Ouais, le nain, il est à vue ou pas? Ou il est vraiment lequel, caché Lequel? Celui qui est ici, l'arbalétrier, ouais. Il est pas visible. Tu peux tirer voilà, sur celui qui est ici, celui qui est ici, ou alors sur un qui vient d'apparaître ici, juste en face de vous aussi. Damn. Ah, c'est pas grave, parce qu'il y a... Non, ouais. Là, je vais mettre en mode flic, je vais tenir mon arc comme ça, et me mettre dos à la charrette, en fait, comme ça. Très bien. Et passer l'arc par-dessus en mode « Mec, rends-toi » et c'est comme le fait qu'années 80, tu sors pas un long canon, tu sors une longue flèche tu comme ça. Tu te plaques donc dos à la charrette et essaye de viser de manière éclair l'archer qui est juste ici. Tu me fais ton tir, ton jet de physique. Et j'aimerais passer en offensif pour lui mettre un maximum de dégâts dans sa bouche. Me fais donc, voilà. C'est bon. Est-ce que j'ai un malus ou pas?
Je te mets un malus de 10 parce qu'elle est à couvert. Ok, donc pour 80, c'est parti, attention. Et que ton action est quand même bourrée. 63, ça passe. T'es jet de dégâts maintenant. Ah bah, maximum. C'est un offensif, donc maximum. Donc effectivement, tu lui plantes une flèche en plein entre les deux yeux. Elle s'effondre au sol. Maintenant, c'est à moi d'agir. Et vous remarquez qu'il y a les nains qui est en train de se battre ici. Une espèce de gros nain en armure avec deux haches, avec une hache dans une main, un marteau dans l'autre, qui est en train de sauter donc sur l'albalétrier qui était à couvert, tandis qu'une autre naine est en train de sauter sur notre albalétrier qui vient d'albalétrier. Arbalétrier. J'arrête pas de le dire mal depuis tout à l'heure. Une autre naine est en train de sauter donc sur le nain qui est juste ici, une naine qui a l'air visiblement un peu plus âgée, qui a les cheveux très longs, qui se bat au bâton, qui aborde un air un peu sauvage, comme si elle était comme une druide quasiment. Est-ce qu'il y a le coup de foudre quand les regards de Grenlec et elle se croisent comme ça? Dreams of Mary. Arrête, c'est ça. Parce qu'on est nains, c'est ça. C'est ça. Ah oui, c'est par pur. Et surtout, Grenlec, tu le remarques, il y a un troisième nain qui apparaît majestueusement sur un des rochers qui se dresse. Majestueusement, carrément. Et qui se dresse et qui vous crie « Alors, vous avez besoin d'aide ?»